aujourd'hui, on accueille entre 300 et 320 équidés et environ 200 animaux de ferme. Donc on gère tous les animaux de ces espèces sur le territoire français. Ils proviennent surtout des signalements de maltraitance, de négligence, des gens qui ne sont pas rendus compte des besoins des animaux ou qui ont eu un problème personnel qui a fait que l'animal est passé en second plan. Ce qui était intéressant dans le service civique, c'est que ça s'adressait à des jeunes, on va dire, de moins de 30 ans, avec une vision un petit peu différente. À travers leur mission, ils nous apportent plein de choses. Ils ont un regard plus jeune et ils ont également d'autres mots, d'autres façons de communiquer. Donc c'est l'occasion d'apporter un peu de jeunesse et d'apporter également un peu de nouveauté à cette équipe. J'avais toujours voulu travailler en SPA et j'ai découvert beaucoup de choses. Je ne pensais pas que le travail en SPA était comme ça. On ne vient pas à la SPA par hasard, donc automatiquement on a une sensibilité. Sohan, ce qui était intéressant, c'est qu'il est passionné de dessin et on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de mettre à l'honneur un petit peu son talent. Son regard sur mon travail, ça me permet aussi de m'améliorer beaucoup. Depuis que je suis ici, c'est vrai qu'avec le public, je suis beaucoup plus à l'aise. On voit bien qu'il s'est libéré, il va de l'avant, c'est-à-dire qu'il va vers le public. C'est quelqu'un d'assez introverti, Sohan, c'est positif. Au départ, j'ai été formée sur comment gérer ce jeune. On va vraiment s'adapter au profil du jeune. Je pense que c'est vraiment intéressant pour qu'eux, ils trouvent vraiment un intérêt et puis qu'ils soient fiers de leur travail.